Salut tout le monde, c'est XRG, on se retrouve sur JVS pour une nouvelle vidéo, et cette fois-ci, je suis en compagnie de Rochi. Coucou. Pour le DLC de The Dark Below sur Destiny, sorti le 9 décembre 2014. Voilà, on va dire qu'on l'attendait assez parce qu'on commençait à tomber dans une espèce de routine, ne crois-tu pas? Plutôt, oui. Plutôt. Bon, alors, qu'on montre un petit peu les nouveautés avant de faire la mission. La nouveauté, c'est donc la nouvelle brigadière, enfin, celle qui donne les contrats. Il s'agit de Eris. Donc Eris, si je me rappelle bien, c'était l'une des 6 prétendantes pour le raid, en fait, qui nous est donnée. C'est celui où est-ce qu'on va devoir affronter Croptail, me semble, dans le raid de la Lune. Et c'est la seule survivante du groupe des 6, et maintenant, voilà. Quand tu rates un raid dans Destiny, ben, du coup, le seul métier que t'es, c'est que t'es disposé au contrat. C'est un beau métier d'avenir. Donc voilà ce qu'elle nous vend. Vous verrez, voilà, des couleurs, des logos qui ont fortement la classe quand même, faut avouer. Le soleil couchant quand même me plaît plutôt bien. Ton château aussi, il avait eu une bonne gueule. Mais sur l'Arcaniste, il ira mieux quand même. Sur l'Arcaniste, tu trouves? Ouais. En même temps, c'est la meilleure classe. Donc du coup, enfin voilà, vous voyez tout ce qu'elle donne. On va pas non plus trop spoiler. À savoir que du coup, il y a un honneur à monter chez elle, qui est donc du coup, c'est l'honneur de Eris, il me semble que c'est. Ouais, estime, voilà, estime du fléau de Cropta, autant pour moi. Donc voilà, elle, c'est la grosse nouveauté. Qu'est-ce que nous avons en plus? Donc, je suis allé voir chez le marchand de couleurs pour voir s'il en vendait de nouvelles, vu que Eris nous en vendait. Non, apparemment. Toujours les contrats pour l'avant-garde ou les preuves qui vont vous rajouter de l'honneur, mais on a un nouveau truc qui s'appelle l'éloge. Je vais m'empresser de vous le montrer avant de lancer une mission. A savoir que Eris vous propose 3 nouvelles missions, donc une de niveau 20 et 2 de niveau 26, il me semble, si je me trompe pas. Donc voilà, l'éloge, ce sera pour. On l'aperçoit, vous voyez, avec écu de l'avant-garde demandé, éloge de l'avant-garde. Donc, veuillez m'excuser, mais je n'ai toujours pas trouvé comment on fait pour en gagner. Donc, ça ne saurait tarder avant que je le sache. Mais comme vous pouvez voir, la différence qu'il y a, par exemple, entre 425 avec les exos de l'ancien, enfin du Destiny normal, le premier volet, qui atteignait 402 de défense, maintenant on peut monter à 425. Entre temps, j'ai eu un autre légendaire. Du coup qui fait exactement qui a la même capacité. Mais tu vois, je viens de remarquer que je viens de dropper un casque, donc du coup je viens d'économiser 120 et un éloge. Plutôt pas mal, non? Plutôt intéressant, oui. Plutôt sympa. Je me suis empressé du coup d'acheter les gants et les pieds qui eux ne demandent pas d'éloge vu qu'on ne sait pas. Là ça coûte 75 écus de l'avant-garde au lieu de 65 précédemment. Toujours 30 pour les items de classe. Et là un éloge pour le torse, mais bon, je vois vraiment pas la dégaine. On ne voit pas comment on peut l'avoir pour l'instant. Enfin, on verra. Le fait d'avoir vu... justement, voilà, regarde. L'éloge. S'obtient d'un écolier de récompense de l'avant-garde reçu après avoir grimpé dans ses rangs. Oh. D'accord. Bon, écoute. Oh là. Si en plus on le sait pendant la vidéo, c'est parfait. Le fait que je voie écu de l'avant-garde et écu de l'épreuve me fait rappeler que bon, on l'a pas eu de suite dans le DLC, mais bon, ça devait appartenir à cette extension. C'est le fait de pouvoir acheter des matériaux. Plus besoin de farmer. Toi qui étais un grand farmer. Énorme farmer. Donc c'est à combien d'écus on peut avoir combien de matériaux déjà? 10 écus pour 20 matériaux. C'est 20 matériaux de n'importe quelle planète pour 10 écus de l'avant-garde ou 10 écus de l'épreuve. Ouais. Donc pour l'avant-garde, donc je me dirige vers le brigadier justement. Pour celui de l'avant-garde, c'est celui qui est devant Shax, qui vous vendra les matériaux. Pour tous ceux qui ont le DLC, du coup, ils obtiennent le passereau acrobate, il me semble. C'est ce que tu as reçu, toi? Oui, j'ai reçu ce matin, oui. Voilà. Du coup, donc vous voyez qu'il y a des nouvelles armes. Comme vous pouvez le voir, il y a une espèce, en haut à droite, une espèce de 1. Donc, qui veut dire première extension. Après, il y aura des armes avec 2, 3, enfin, c'est ce que je suppose, vu que le 1 en chiffre romain ressemble énormément au 1 qu'il y a en dessous de The Dark Below dans l'image de présentation. Donc vous voyez que les capacités sont bien meilleures. Moi je joue 100% de cadence de tir, mais on voit directement que l'attaque est meilleure. Même on suppose du coup que des exos, il y aura des exos meilleurs, parce que les exos actuels ne sont montés que jusqu'à 300 comme les légendaires du Destiny premier du nom, quoi, sans le DLC qui est compté. Donc on suppose qu'il y aura des exotiques avec un 1 qui seront meilleurs. Donc voilà, vous pouvez voir les capacités, bon, ils montent à 331. Je suppose que les exos auront une meilleure attaque, peut-être. Espérons, ouais. Ou alors ça stackera à 331 comme 300 pour les anciens. Faudra voir.
Donc les nouvelles dégaines, donc voilà, quand vous avez ces items, vous pouvez voir bien sûr maintenant les nouveautés qui s'apparentent à l'item en particulier. Donc bon, moi je l'ai orienté, je le joue hybride Intel Force. Tu le joues quoi toi ton chasseur déjà? Discipline intelligence. Discipline Intel. Donc, je vous le rappelle que ces trois capacités servent bon, notamment l'Intel à avoir votre super plus vite et faire plus mal avec, votre grenade plus vite pour la discipline et faire plus mal avec, et plus mal avec le corps à corps et l'avoir plus vite pour le passif du corps à corps, au niveau de la force. Donc à voir comment vous voulez jouer, quel est le type de gardien que vous voulez faire. Toi, ce qui t'attend justement, Roach, c'est quand tu auras fini les trois missions du solo d'Eris, elle te filera ta toute première arme du DLC, qui est un fusil à fusion, dont je le montre, qui peut switcher entre dégâts cryo et dégâts solaires. C'est Plutôt plutôt sympa. badass. Voilà, tu peux choisir un petit peu le passif de l'arme, ça c'est plutôt sympa. Bon, après, ça ils l'ont rajouté il y a quelques temps. Tu te demandais à quoi servait justement le noyau couvert de runes que Ouais. vendait Eris. Donc justement, voilà, l'acheter, ça vous permettra. C'est comme un éclat exotique qui vient d'apparaître. Vous démantelez une arme exo, vous avez un éclat. Ça vous permet d'avoir la dernière, je suppose. Non, même pas, il le demande ici, le noyau. Ah bon, mais il le Mais c'est demande la là. première des Ouais, la première premières de des la dernières dernière, de la améliorations. dernière rangée, voilà. Tandis que les armes exo vous demandent un éclat exotique pour la dernière amélioration. Bon, ben ça fait, en gros, c'est un petit peu le pont qui va rejoindre entre les premières améliorations et les dernières. Donc, peut-être que les améliorations seront plus conséquentes après ce passage-là, on ne sait pas. De toute façon, tout nous reste à découvrir. Ben écoute, ce que je te propose, vu que tu es chef d'escouade, amène-nous en orbite. Et on va faire ta mission, tout simplement. Donc sur les trois missions, tu vas faire la deuxième, et c'est la deuxième pour moi qui me semblait assez sympa pour pas non plus montrer trop de spoil des trois missions solo. Et donc voilà. Tiens, mais justement avant que tu aies choisi, je vais justement profiter dans le mode orbite pour voir Ouais, montre tous les raids tout ce que voilà tout ce qu'on va et découvrir. nouveaux Et aspects. n'oublions pas que dans le mot orbite, il y a or, Mais pas que. mais pas que. Donc du coup, vous avez dû voir avant que le DLC n'apparaisse la petite cinématique qui vous est proposée par Bungie au début. Donc vous aurez sur la lune donc le raid qui vient d'arriver, un raid de niveau 30, et ensuite des missions à côté avec un 1. Voilà, vous voyez que ça appartient au DLC, donc c'est dans la continuité de la chose. Toi, ce n'est pas une mission sur la lune. Le prochain, toi, c'est quoi? C'est où qu'on te le Sur la demande? Terre. C'est sur la Terre. Ok. Donc très bien. Donc sur la Terre, vous voyez la nouvelle mission qui est ici. Et sur Mars, donc un nouvel assaut de niveau 20 si on le sélectionne directement, quand on le fait hors mode assaut. Toujours du matchmaking possible. Je vais d'ailleurs même profiter de suite pour regarder si, par exemple, sur le caveau de verre, est-ce qu'il y a du matchmaking qui vient d'être installé? Non! Donc voilà, je réponds à cette question qui était fortement demandée sur les forums. Toujours pas de matchmaking pour des recherches de raid. Or, dans le programme du mode assaut, ici, donc c'était le Nuit Noire qui est monté niveau 30, plus niveau 28. Et nous avons un assaut de niveau 26 maintenant. Donc nous avions l'aigle, la vipère, le loup Loup. et le tigre. Et maintenant nous avons le roc. Oui, Le roc. le rock. Donc voilà, bon, mais c'était à petit peu près les nouveautés. Je ne vais pas montrer davantage. Lance-nous ta mission et que May the Force be with us. Ouf. Tu veux la mettre à niveau 30? T'es botch, toi. Non, ça va aller. On va Oh rester à non, ouais, 25. parce que voilà, je me suis rééquipé des nouveaux items, donc de niveau 29, je suis passé à 28, donc non, on va éviter. On le fera plus tard, hein. Ouais. On n'avait pas pu se galérer en la mettant en héroïque pour la première mission d'Eris, mais bon, là, on s'approche. Enfin, faut savoir que la différence entre la mission numéro 1 et 2 de Eris, c'est qu'il y a quand même 6 niveaux d'écart. Donc celle-là est en niveau 26 de base, la première était en niveau 20. Donc je pense que c'est un détail à ne pas négliger. Enfin. Rasputin est le dernier esprit Ouais, donc tutélaire. voilà, Rasputin, il Ils va falloir étaient le le meilleur sauver. système de Save défense Rasputin. conçu, un Yes. réseau massif d'armes apocalyptiques C'est vrai qu'on et nous de parle de beaucoup de satellites personnages dotés passifs pour comme protéger l'humanité. Les armées Éleuthérien, de Procta se Rasputin, le rassemblent près du voyageur, bunker de l'esprit tutélaire. Nous ne Osiris, pouvons pas le permettre à la grand ruche de arcaniste. détruire Rasputin, ou pire, On d'en n'a jamais vu prendre la le gueule qu'ils contrôle. avaient, quoi. Si, le voyageur, on sait un peu à quoi il ressemble. Oui. Ouais. Enfin, Vite fait. vite fait. Bon, voilà, donc toi t'as ton super acrobate, n'est-ce pas? Le bunker de l'esprit tutélaire est Eh ben placé sur moi, le j'ai pari celui du d'entrée carreau. d'ici la coupe il faut que. Avec le nitro. d'atteindre Ben, Rasputin. en fait, il faut que tu fasses R2, donc tu lâches du coup tes propulseurs et après tu Ah peux faire des figures en putain. fait avec. Voilà, tu vois. Ah, ça va, tu t'es bien rattrapé.
Donc voilà, bon, mais là après c'est sur la Terre, donc on va continuer. Tu sais, quand je t'avais dit, avant que le DLC n'arrive, que je t'avais dit que j'avais trouvé la porte, ça va être juste au-dessus qu'il va falloir aller. Tu sais, on avait descendu pour voir un disciple d'Oryx, parce qu'il y avait, quand je faisais tous les spectres déchus, oui. On n'avait pas osé y aller parce qu'on avait nos smurfs, on était respectivement niveau 9 et 10, toi et moi. Donc on s'est dit, on va pas faire un niveau point d'interrogation rouge x2. Mais là on va y aller et tu vas pouvoir d'ailleurs récupérer ton spectre déchu, je vais pouvoir te dire où il est. Vu que je les ai tous faits, enfin, donc il y en a 50 à récupérer, il y en a 50 au total, donc vraiment sur toutes les planètes, voilà, vous les faites toutes. Il y en a 4 même dans la tour à faire. Ah oui, c'est vrai que je vais un peu vite avec le passereau. Non, même pas, ils ont la même vitesse, sauf que moi j'ai un boost. Ça va, t'as arrivé à te rattraper. Pas mal. Bon, allez, progressons. Ah bah, pour la vidéo, allez, je vais montrer l'arme, comme eux, ils voient de quoi... Il en retourne sur mon écran, mais pas sur le tien. Donc je rappelle que nous sommes en teammate, on est sur le canapé, très, très bien installé, posé à côté. Donc voilà, donc on va prendre cet escalier. Donc voyons, ça tire comment? Tu l'as même pas essayé? Ça fait un bruit. Non, c'est la première fois que je le teste. Mais là en cryo alors, peut-être? En cryo, ouais, t'as raison. Vu que j'ai déjà mon... comment ça s'appelle? Mon brise-glace en solaire. Allez hop là, je le passe en cryo. Ah, t'as vu, la couleur a changé. Pas mal. On va le tester sur le gars. Non, en fait, non, il y est pas justement. Le disciple d'Oryx, il a été enlevé. C'est une porte qui va devoir s'ouvrir. Et là, t'as un spectre déchu ici. Si je me souviens bien, il est là. Exact. Il est là? Ouais. Ok, parfait. Cette musique, Rasputin est en danger. Ah bah, s'il est en danger, je le saurais. C'est parti. Là, je trouve que le décor ressemble énormément. Bon, pour ceux qui ont joué, c'est le jeu où est-ce que je trouve qu'il y a le plus de similitudes entre Destiny et ce jeu en question. C'est Warframe, qui était disponible gratuitement dès la sortie de la PlayStation 4 le 29 novembre 2013. Et là, je trouve que le design, c'est vraiment comme quand on progresse dans Warframe. Bon, allez. D'ailleurs, plus j'en parle, plus j'ai envie d'y rejouer. Bon, il n'est pas aussi abouti et si sympa que Destiny, mais il y a énormément plus de niveaux qu'on a Warframe, c'est qu'il y a déjà toutes les planètes et ça peut, c'est vachement mieux. Quoi. Et c'est dur aussi, c'est long, c'est très long. Faut être vraiment passionné d'RPG vraiment pour jouer comme ça. C'est le jeu qui vous tient vraiment en haleine, c'est un peu comme un WoW, quoi. Vous y restez énormément de temps, pas parce que c'est forcément addictif, parce que déjà c'est long. Enfin, on a beau parler de WoW quand on dit qu'il est dur, il est simplifié d'extension en extension. Oui, un casque vert. Bravo. C'est le mec qui serait content de me dire comme ça. Yes, un engramme blanc. Donc Rochi est le premier à en témoigner. On est bien deg d'échanger nos exotiques contre des violets qui sont meilleurs. On ne parle pas. Une dernière parole, j'étais en train de monter et puis... Mais j'avais mon casque avec les ailes là sur le côté, un exo, celui qui produisait, plus d'orbes. Donc... Bah là, voilà. L'échanger contre un casque de l'astre mort. Voilà quoi. Bon, du coup. Ce qui a manqué, moi, c'est le quatrième tir. Le quatrième tir dans le pistolet. Ouais. Ça, c'est dommage. Ouais, mais ça a des passifs super sympas quoi. Voilà, je te laisse regarder la commande. Comme toi, tu as pas fait la mission, je vais me mettre juste un décalé pour qu'il le voie dans la vidéo. Mais on voit absolument toutes les cartes qu'on a faites, enfin les planètes, etc., auxquelles on a pu accéder. Et là, un virus. Alert! Intruder alert. Mais du coup, donc là on aura à nouveau encore la première last prêtresse justement. Donc on l'a dans la première mission, deuxième et dans la troisième. Donc celle-là on n'arrivera pas à la tuer non plus dans la deuxième et on la finira dans la dernière. Donc, du coup, voilà. Une fois qu'elle atteint un certain seuil de vie, elle va se réfugier dans la première pièce où on était. Des esclaves, je ne les avais pas vus venir. Donc voilà, elle se réfugie dans cette pièce, donc on peut plus y revenir, tu la vois là? Elle est là-bas. Mais on peut plus y revenir parce que les portes sont fermées, et là elle va invoquer, en fait on va devoir subir des vagues. Et c'est comme ça que va se terminer la mission, mais elles vont être un petit peu en showtime. Bon, après je l'ai fait seul, donc là à deux ce sera plus simple, je pense. Voilà. Bouffe-toi ça! Ouais, c'est... Bon, après je suis pas très fusion, mais bon... C'est sympa quand même. Après, ça se voit que le son est changé, quoi. Hein, vraiment, c'est. Par contre, je suis bien deg de voir que ma vengeance de Hez à 300, je l'adore ce bazooka et qu'il y a des bazookas bien mieux qui n'ont qu'une seule roquette et qui feront plus mal.
suis overdeg de voir que la brigadière de la Vanguard, ça va être méga. Donc, je le rappelle, voilà, différentes armures au niveau des prêtresses, chevaliers et autres personnages. Et autres personnages voilà, qui auront des armures rouges, bleues et violettes, ben, c'est en fonction, il faudra le taper avec le dégât correspondant à la couleur. Bon, même si tu vois rouge, c'est que j'ai plus mon brise-glace, il va falloir que je le rééquipe. Pour leur faire mal plus rapidement. Enfin, leur faire tomber l'armure plus rapidement, tout simplement. Mais après, qu'est-ce que t'en penses de ces missions? Donc, ça se voit que c'est travaillé quand même, c'est un design qu'on n'avait pas l'habitude de voir, surtout dans la Terre, quoi. Ok, salut la force de Crota. Salut mec, comment vas-tu? Salut mec. Je suis pas sniper à la base, mais normalement je suis fusil à pompe. Et quand j'ai vu le quatrième cavalier, tu l'as vu l'image du quatrième cavalier? Fusil à pompe, je crois, exotique, qui a 4 canons. On dirait un gros rossmore fusil de chasse. Magnifique. Lui, je crois que je vais le surkiffer. C'est vraiment énorme. Il est magnifique celui-là. Ouais, dans la description en dessous de la vidéo, je vous montrerai une vidéo qui où est-ce qu'ils font en fait le raid, enfin pardon, l'assaut niveau 20 que je vous ai montré sur Mars. Donc ce sont des développeurs web de chez Bungie. Ça vous montrera un petit peu de quoi il en retourne. Donc du coup, comme ça, vous pourrez voir le fusil en question et la dégaine de l'assaut. Ils le font en entier. Donc comme moi, je fais des vidéos pas non plus très très longues, je peux pas me permettre de faire un assaut. Mais c'est juste voilà, pour vous montrer vite fait, comme il s'agit d'un DLC, de ne pas faire une vidéo bien longue, mais en même temps vous montrer les différentes nouveautés sans qu'il y ait trop de spoil, donc vous montrer vraiment un cinquième de ce que vous propose le DLC. Je vous rappelle que Bungie a signé avec Activision pour un jeu qui allait durer 10 ans, donc 10 ans de DLC. Avis à ceux qui ont pris le Season Pass ou ceux qui ne l'ont pas pris, justement, empressez-vous de le prendre, parce que plus de DLC sortiront, plus le Season Pass sera cher. C'est la politique d'Activision. Vous savez que Actipognon, depuis qu'ils ont racheté Blizzard ou Naughty Dog, refuse d'avoir des nouveaux jeux, de nouvelles licences, parce qu'ils veulent des sous sur des jeux qui font fureur, donc ils sont sûrs qu'il y aura de la vente. Je l'ai encore en travers de la gorge, le fait qu'ils aient refusé à Naughty Dog de faire un Crash Bandicoot juste parce que il fallait que le nouvel Uncharted sorte, quoi. T'es pas deg? Nous, en tant que vieux puristes, on a connu la Play 1. Chier. Eh oui, moi je préfère Uncharted que Crash Bandicoot. Bah, ça se vaut pas non plus, t'as un jeu action-aventure comparé à un jeu plateforme. Bah, c'est pas comparable, c'est pas comparable. Ce serait comme dire, ouais, je préfère Burnout. Oh, moi c'est Viva Pignata. Voilà. Bon, allez, reviens sur la tour, on va te faire tout ça. Allez, je suis chef, je te paye un voyage. Ah, merci, c'est trop gentil, Roche. Enfin, voilà. Donc toi, qu'est-ce que t'en penses, là, brèvement, pour avoir fait les deux premières missions, avoir vu un petit peu de quoi il était capable? Bah écoute, c'est 3 petites missions, même si j'ai pas fini, j'ai fait que les deux premières, ça ajoute une continuité. Et la dernière te proposera, du coup, d'avoir une certaine partie de Cropta à affronter. J'en dis pas plus, et elle est vraiment épique, elle est super belle, très très bien mise en scène. Et non, franchement, et puis après, on le voit dans le fond, les nouvelles musiques ont été rajoutées. Ouais, j'allais le dire, ça. Voilà, j'attends une BO. Une BO. Si le CD des BO pouvait sortir. Je vous rappelle que 12 orchestres ont été mobilisés pour faire les musiques, les fonds de Destiny, et dernièrement, le LucasArts Orchestra qui vient d'être mobilisé, donc ceux qui ont fait les musiques de Star Wars, qui rejoignent les nombreux orchestres de talent qui ont fait les musiques de Destiny. Donc franchement, on ne peut être que servi niveau musique. On serait vraiment bien hypocrite de dire « Ouais, elles sont super », et puis dans le dos, on dit « Ouais, donc, finalement ». Ça va, ce sont des musiques épiques. Non, mais c'est vrai que même quand on rejoue les assauts, avant que l'extension sorte, on s'amusait à débattre sur nos musiques préférées. Ouais, de certaines missions et ouais, tout. Comme la dernière mission, toute dernière mission là. Oui, toi tu préfères la deuxième statue devant le... Voilà. Et moi c'est la dernière, pour la dernière mission. C'est le Jardin Noir, quoi, en fait. C'est la mission du Jardin Noir, il me semble. Le dieu. Enfin, voilà. Bon, et bien voilà, une petite mission et un bref alentour du DLC me suffira à vous le présenter brèvement. Voilà, j'ai pas envie de faire plus long, je vous rappelle, c'est un DLC, donc inutile de faire une vidéo bien bien complète. À vous de découvrir pour le reste. Franchement, je trouve que ça vaut le coup, ça nous sort un petit peu de cette routine, enfin. Même si je trouvais que, bon, la routine, ok, mais bon, après, quand on est fan d'RPG, on n'a pas tendance à se dire que ça devient lassant. Oui, non. Il y a pas mal de choses à faire, et là, franchement, ben, du coup, on peut monter jusqu'au niveau 32 en lumière. On était bloqué, on stackait à 30, on pouvait pas monter au-delà, maintenant jusqu'à 32. Prochain DLC, c'est la The House Wolf qui sortira, je pense. La Maison des Loups, je crois que c'est le prochain, si je dis pas de bêtises. Hein. Enfin, ou un truc avec le loup dedans. Oui, il me semble.
et qui sortira pour mars. Donc, comme je vous ai dit, par trimestre, un DLC supplémentaire. Enfin, voilà, donc... armez-vous de patience, chers amis, parce que, voilà, on en aura pour 10 ans, apparemment, de DLC, et pour l'instant, plutôt sympathique comme DLC. Moi, je le trouve sympa. En tout cas, Bomberoche, je te remercie de m'avoir accompagné pour cette présentation DLC, de m'avoir fait parcourir la deuxième mission en ta compagnie. Oh, oui, pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Donc, voilà. J'espère pour votre part que cette vidéo d'intro du DLC The Dark Below, les ténèbres souterraines, vraiment un nom à chier, je préfère dire The Dark Below, de Destiny vous aura plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt tout le monde, portez-vous bien et à ciao. Merci encore. Ciao tout le monde.